Donc on avait débloqué la maison, notre brave maison, qui pour l'instant est vide. J'avoue que je ne sais même pas quoi mettre dedans pour l'instant, tellement c'est... Tout est vide de vie. Et là, j'avoue que je me souviens plus trop de ce que j'avais fait comme quête. J'ai un petit peu zappé. Je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut, mais ce n'est pas le plus important. Il nous faut continuer à tracer notre destin. Et est-ce que je suis au bon endroit? Non. Donc ça, c'est le coffre qui normalement... Voilà, c'est la réserve. Donc je peux tout mettre dedans. Seulement, voilà, comme je suis avide de pouvoirs et de richesses dans ma quête, j'ai surtout pour projet de tout vendre. Ah oui, c'est vrai, on avait aidé du coup le chef de la ville de Canerock. À s'extirper en fait de la forêt des araignées, Tisbois, dans laquelle il était un petit peu empêtré, en sachant que il s'y était rendu, je crois, une mission de la part d'un autre gars qui voulait lui voler sa place en fait. Donc on avait un petit peu aidé toutes ces personnes et on avait également élucidé un meurtre, un double meurtre, des plus sanglants. Alors je sais pas du tout par contre où sont les marchands, je sais pas pourquoi il y a des quêtes là. Mais j'ai hâte de découvrir. Ah bah je crois que c'est tous les marchands en fait. Je crois que c'est là qu'il y a tous les En quoi marchands. puis-je vous aider? Les dieux soient loués. Quelqu'un de l'extérieur a enfin réussi à passer. J'ai cru qu'on ne reverrait plus jamais de nouveaux visages. C'est bon de vous voir ici. Je suis Saelaretha Vaughner, le médecin du village. Et j'ai besoin de votre aide. Oui. Normalement, je conserve de l'antivenin au cas où un soyeur serait mordu. Mais les attaques récentes ont épuisé tout mon stock. La potion est facile à faire, mais comme nous vivons dans Tisbois depuis longtemps, nous sommes plus sensibles au venin des araignées. Il me manque toujours un ingrédient, les glandes à venin des araignées. Il faudrait que quelqu'un aille m'en chercher. Ah bah non, bon, d'accord. Bien, il me faudra toute la potion que je pourrai fabriquer. Alors rapportez-moi une quinzaine de glandes. Une Dans la gueule quinzaine. des bêtes qui nous chassent, je le crains. On ne peut prélever ces glandes que sur les cadavres de ces araignées. Ce n'est pas une tâche facile, mais la ville a besoin de cette potion au plus vite. Du coup, zut, qu'est-ce qu'elle a dit? Ce n'est pas tâche facile, mais la ville a besoin de cette potion plus. Bah oui, bon, ok. Bonjour. Je me sacrifie à chaque fois pour le bien de tous. For the greatest good, comme dit le proverbe. Mais attends, pourquoi il y a un cercle jaune là? En quoi puis-je vous aider? C'est par rapport à lui peut-être? Vous arrivez du bois? C'est à peine si je me souviens de la dernière fois où j'y suis allé. C'était quand les araignées sont arrivées. Désolé, j'en oublie de me présenter. Jenny Vaughner. Je rassemble des réactifs pour ma femme Saelaretha, le médecin de Canerock. C'est une histoire que mon vieux père me racontait quand il voulait me flanquer la frousse. N'approche jamais des toiles, Jen, qu'il me disait. La veuve prendrait tes yeux pour souper. J'ai toujours cru que ce n'était qu'une histoire. Des fois les histoires sont bien plus réalistes que ce qu'on... Comment dire que ce à quoi on s'attend. Il est fait pour le combat, même s'il a pu donner l'impression parfois de vouloir laisser ça derrière lui. Faites Ouais, tant que mais vous le encore, pouvez. c'est quoi en fait la... Je ne comprends pas les quêtes. D'accord, bon. On va En faire la quoi tâche puis-je là de vous aider? ramener les glandes d'araignée. De risquer encore notre peau pour des gens qui n'en valent peut-être pas la peine d'ailleurs. Mais c'est pas grave parce qu'au moins comme ça, on est en train de se tisser une belle destinée. Il n'y a rien qui nous... Mais pourquoi? Bon, et puis zut. Hein. Je vais me diriger du coup vers par là, mais avant cela. Maison abandonnée. Où sont les marchands? Il y a un forgeron ici. Alors peut-être que... Ah oui, mais je crois que la marchande, elle est un peu siphonnée. Et là, je suis obligée du coup d'aller dormir pour que tout le monde se réveille. Parce qu'on est de nuit. Ce qui n'est pas chose aisée. Vous en conviendrez.
Hello? Y a quelqu'un? Ah, elle est là. Et elle se déplace, vite. C'est vous qui provoquez tout ça. À force d'aller et venir à votre guise dans Tisbois. Votre présence ici est trop tentante pour la veuve. Vous êtes comme nous. Que ça vous plaise ou non, elle vous dévorera. Mais tais-toi. Par pitié. Par pitié, tais-toi. Ça, faut que j'en vende un. Je crois qu'en fait, là, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Est-ce que j'aurais vendu ma faux? Méfiez-vous de la forêt. Apparemment, non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne Belle sais pas. Ville, j'ai du travail. Je ne sais pas comment elle peut m'aider. La caméra, bon sang. Alors. Pourquoi venez-vous me déranger? Mais parce que je t'ai rien demandé. Alors, m'agresse pas. Alors, 15 glandes de venin. Où est-ce que je suis sûre de les trouver? C'est quoi ça? Trouver une autre entrée. Une autre entrée, pourquoi? Ah, mais ça, c'est pas une quête que j'avais déjà à moitié faite, ça. Donc, en fait, je peux aller où je veux. Vous avez contracté une maladie, allez voir un guérisseur ou buvez une potion de purification. Ah, c'est vrai, je suis malade. Voyons voir, viens voir. C'est pas ça. Oh putain, puis. Oh, aïe, aïe. Ah d'accord, j'avais pas compris qu'on pouvait foncer pour vraiment contrer les araignées. Voilà. Ah bah je croyais que ça allait la tuer, mais j'étais un peu trop présomptueuse là, je pense. Bon. D'accord. Hé, alors ma deuxième glande, j'en ai deux là. Pourquoi ça m'en a compté qu'une? Ah, merci. Mille merci. Où est-ce que j'avais vu d'autres ennemis? Peut-être par là. Est-ce que par ici, les araignées vont bien vouloir se montrer? Parce que normalement, là, je suis sur leur territoire. Ah oui, c'est là que je crois que j'avais oublié de fouiller dans l'eau. Oh, super. Eh bien... Allô? Y a-t-il quelqu'un? Oh, mais... Ce passage dans les jeux, vous essayez de passer à un endroit, mais non. Le scénario m'a décidé que vous ne passerez pas par là. Il n'a pas envie de vous aider. Et c'est vide. Il y a moult toiles d'araignée. Mais il n'y a personne. Ferais-je tant peur que ça ou c'est juste moi qui ne me présente pas aux bons endroits? En plus, je suis vachement loin là. Oh là là, mais où est-ce que je vais? Je sais même pas où je vais en plus. Ah! Il y a des ennemis, droit devant. Oh mais non, mais c'est des ocrins ça. C'est pas du tout ce que je cherche. Ah mais c'est vrai que j'avais le marteau, j'avais débloqué le marteau enflammé. Bon. Donc je suis pas au bon endroit, faut que je revienne de l'autre côté. Parce que là, on n'est plus du tout sur le territoire des araignées. Ah ah ah. Est-ce que la chance va me sourire? Visiblement non. Ok, là il y a une charrette. Où suis-je? C'est le village, je suis revenue vers la ville. Parce que non, moi, c'est pas ce que je veux. J'ai pas pris cette... Si, j'ai pris cette pierre. Non, mais la vache. Donc oui, d'accord, où est-ce que je suis revenue, mais...
Les araignées doivent pas être bien loin, enfin j'espère. Oh non! Oh là, oh là! Mince, et ma jauge de jugement n'est pas là. Oh non, mais ça devient ridicule! Vite, la santé! Allô! Hé, hey, la potion! Allô? Je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé. Ah mais c'est que ça m'a même pas soigné en plus. Inventaire. Ah, oh, punaise. Ah, ça augmente. Donc en fait, je suis obligée de me sauver. Oh! Vite! Bon. Super. Bon, maintenant c'est bon les filles, je suis prête à jouer là. Bon, c'est un peu lâche ce que j'ai fait, mais bon. Ah, j'en avais quand même tué déjà une et je m'en étais même pas rendu compte. Bon, finalement ça va, faut juste que j'aille racheter des popos. Alors, tu lootes quelque chose toi ou pas? Ah non, apparemment non. Bon. Bon, c'est plutôt pas mal. Ah bah si, en fait elle lootait quelque chose, mais elle ne m'a pas prévenu la coquine. Bon, 7 sur 15, c'est pas mal. Seulement là, il va pas falloir qu'on joue trop avec le feu. Que j'ai pas envie de faire un game over sur cette partie. Et que je suis obligée de tout refaire comme ça m'est arrivé précédemment. Du coup, alors ma maison est là, ok. Mais l'apothicaire... Du coup, c'est ici. Alors, vous avez pu vous procurer les glandes à venin? Non mais je veux juste commercer. Est-ce que tu peux me donner de la potion? Potion de régène. Potion de tempête. Oh, c'est ça les recettes! Super! La potion de force mineure. Et je comprends pas, ces potions-là, c'est censé me... Ah voilà, potion de soins mineurs. Je te prends les 10. Voilà. Et les 6. De toute façon, je suis... Une quinzaine pour concocter l'antivenin. Oui, non, mais t'inquiète pas, je vais te ramener ça. C'est juste que, voilà. J'allais pas mourir pour toi. Ah là 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 là. Donc, on va essayer d'explorer par ici. Non, je crois qu'on peut pas passer. Ouais, le pont est mort. Vive le pont. Donc, je ne sais plus par où j'avais exploré, mais qu'à cela ne tienne. On va juste s'enfoncer un tout petit peu plus dans les abysses. Alors franchement, on s'est renseigné pour le remake. Et franchement, de ce que ça change par rapport à l'original auquel je joue maintenant... franchement, ça me donne pas vraiment envie de l'acheter. Franchement non, parce que en fait il disait voilà qu'on pouvait avoir les deux DLC dans le jeu. Le truc, c'est que bah là actuellement les deux DLC je les ai déjà.
Et je crois que ça m'était juste une quête supplémentaire, mais qui augmentait le temps de jeu que de 5 heures. Donc, alors que les DLC, je crois qu'il y en a facile pour, d'après ce que Quentin disait, il y en a facile pour 20 heures, chacun. Donc, voilà. Puis, enfin, si, ils ont éclairci un petit peu quand même les graphismes, faut dire ce qui est. Mais voilà, moi ça m'a pas transcendé plus que ça en fait. Donc, du coup, je préfère rester sur l'original et le faire vraiment de fond en comble plutôt que de faire le remake. Et je trouve ça plus pertinent pour moi de faire actuellement le remake plutôt des 3 Spyro et des 3 Crash. En sachant que bon, les 3 Crash, je les ferai. Alors, pour l'instant, tout ce qui est console, je le fais surtout en let's play parce que j'ai pas ce qu'il faut pour streamer sur console, tout simplement. Donc pour l'instant, voilà, ce seront surtout les let's play que je pourrais faire les semaines où j'aurai un peu plus de difficulté à faire les streams. J'enregistrerai les let's play, j'essaierai de faire les montages en temps et en heure. Parce que là, pour moi, ça va être de plus en plus compliqué. Voilà. J'en tirerai plus après. Jamais ne se dessert. Elle vous enlace avec passion jusqu'à ce que tout se fige et que le silence s'installe. Un sommeil éternel dans un berceau doux et secret. D'accord. Je croyais que l'haïku était plus long que ça. Mais oui, alors pour vous expliquer, les semaines en fait où je bosse peu, je pourrais streamer en sachant que ça y est, je vais pouvoir démarrer une formation. Il me faut juste quelques confirmations. En parallèle du petit boulot que j'ai, donc je vais avoir le temps encore plus rongé qu'avant. Mais voilà, le temps que ça se fasse, je streamerai du coup d'ici 3... Enfin, disons que je streamerai les week-ends, les semaines où j'ai un peu plus de boulot. Mais voilà, je vais faire les let's play plutôt les semaines voilà, où j'ai plus de boulot. Voilà. Et je continuerai quand même les streams tous les week-ends. Et les semaines où je suis un peu plus disponible. Salut Pedro, ça va. Ça va. Un peu surbooké en ce moment, mais ça va. Et du coup, les semaines où je suis un peu plus disponible, je pourrai streamer tous les soirs. Voilà. C'était pas vendredi, je stream aussi demain. Je streamais ce soir et demain. Je crois que j'ai oublié de mettre le programme de vendredi. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Mais si, si, oui. Du coup, je fais les deux jours. Je profite du peu de temps que j'ai pour streamer le plus possible. Et avancer au mieux tous les let's play possibles. Et là, je ne tombe plus sur aucune araignée. C'est la quête la plus palpitante de toute mon existence. Je ne sais pas où sont les bestioles. Ça fait 3 plombes que j'en cherche. Là, j'étais tombée sur un bon essaim qui a failli me tuer. Et là, il n'y a strictement plus personne. Donc voilà, on était passé là. Peut-être qu'en allant plus en haut, je vais en trouver d'autres. Qui sait? J'espère. J'espère surtout ne pas me faire troller par le jeu. Et après, du coup, je me dirigerai vers la quête principale. Du coup, est-ce que celle-là, je l'ai activée? Eh bien, non. On m'a conté les jours anciens où la sage prêtresse Bayala Tirine parla à Laïria, la déesse. Le peuple, n'ayant rien oublié après la guerre, demanda la mort des Dourek. Pour fonder cette répugnante et pitoyable tribu, dirent les Dokalfar. Épargner ces pauvres misérables, crièrent les Lios Alfar. Leur esprit dévoyé était empoisonné de haine. Les Alfar se battaient pour une chopine en plein festin, quand tous faisaient bombance et que la paix régnait aux cieux. Ses cousins, m'a-t-on dit, étaient emplis de haine. Quittant Fieriol et son froid glacial, Bayala Tirine, l'esprit guidé par Laïria, parti en pèlerinage. D'accord. Bon, ça en dit un tout petit peu plus sur le lore. Et là, par le pur des hasards, j'ai découvert une nouvelle ville. Alors que c'était pas du tout le but. Ah mince, c'était pas un ennemi ça. Bah, tant pis. C'était une victime, disons, collatérale. Le seigneur Farara, vaillant guerrier, pourfendeur d'Elfamanir, duc des Aelaran, protecteur de l'anneau de Keozaï, découvreur de l'île de Méropis. Si seulement il avait connu une fin plus glorieuse.
Ok. Et des fois, il y a des poèmes qui sont vraiment... Enfin, des fois, il y a des contes qui sont beaucoup plus courts que d'autres. Du coup, à chaque fois, je m'attends à une tirade, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, domaine des aulnes. Je voulais débloquer cet endroit au cas où j'ai à me TP ici. Pour une raison X ou Y. Ah, il y a des ennemis en haut. Super, en espérant que ce soit les bons. Et non! Je me suis encore enfoncé dans je sais pas quel trou à rat. Eu du hâte. Ah ouais, non, mais je suis plus du tout à Tisbois, là. Ah non, c'est vrai qu'ils sont invulnérables à l'électricité, j'avais oublié. J'avais zappé ce détail. Ah mais... Alors, j'ai le bloc venin ici, en sachant que ça, c'est le truc que je suis... non, je vais pas aller là-dedans. En sachant que ça, c'est le truc que je suis censé aider à créer au médecin de Canerock. Donc on va augmenter ça. Et ensuite... c'est quoi ça? Technique d'arme débloque des attaques spéciales de charge pour le bâton et les chakrams. De longues heures d'études et de pratique vous ont permis de manier le sceptre. Ok. Et ça c'est quoi? Quand on est activé, la sphère de protection crée une barrière magique qui bloque un pourcentage des dégâts de chaque attaque que vous subissez. Oh cool! Allez hop. Et puis... Alors je suis avec le quêteur. Du coup en palier 2 c'est quoi ça? Le gardien. Et ça c'est le voyageur. Ah. Ok, c'est bon. D'accord, d'accord. Donc, ok, c'est bien beau d'avoir découvert tout ça, mais ça ne m'aide pas. Du coup, je pense que je vais... Oh, je suis allée beaucoup trop loin. Et Tisbois, c'est où? Oh! Mais c'est là, quoi. Non, mais je suis pas du tout au bon endroit. Je suis en été de meurtre. Je vais mourir. Oui, bah oui, je m'en suis aperçu. Merci. Merci beaucoup pour la précision. Ce sont indiqués que vous trouvez un objet caché. Ah oui. Eh ben, on va aller voir un peu plus au sud. Qu'est-ce qu'il fait, lui? D'accord. C'est quoi ces flèches rouges? Bon. Ah, la caméra! Ah, mais il y en avait d'autres là, bien sûr. C'était évident. Ah mais non, mais dégage toi. T'invites pas à la fête alors qu'on te l'a pas demandé. Ah chic. Ça me fait encore plus de loot à vendre. 8. 9. Oh allez, je suis sûre qu'il y en a d'autres en plus là. Oh, mais pourquoi on peut pas traverser comme ça, gratos? J'étais déjà passé en bas, je crois. Où suis-je? D'accord, donc je peux faire le tour par ici. Je peux faire le tour par ici pour ensuite remonter. J'étais déjà... Punaise, en fait, à chaque fois, je passe aux mêmes endroits. C'est juste que je suis trop stupide pour m'en rendre compte. Mais ça ne m'empêche pas de tomber sur des loots. Non, arme. Y a rien, je crois, qui pourra battre la flamme. Exactement.
Exactement. Et le marteau fumant. Bon bah, hey. De retour au bercail, je vends tout ça. Oh, mais c'est parfait tout ça. Allez voir un guérisseur ou buvez. Ah oui, c'est ça, la potion de purification. Oh, mais non. Allez, le jugement pour rigoler. Là, c'est juste pour le lol, ça. Voilà. Ça ne sert à rien sur une araignée, mais bon, c'est juste pour le fun. Mais ça suffit! La caméra! C'est bon? Apparemment. 10, mince, il va m'en manquer une. 12. Et 13. C'est point grave. Ce n'est point grave, puisqu'il y en a d'autres là. Et ça me fera du bonus. Quoi? Ça m'en a compté que 13. 1, 2, ah oui, non, mais je sais pas compter. J'étais persuadée d'être à 10 en fait d'emblée. Non mais c'est bon quoi. Est-ce que tu vas pouvoir me donner mon dû? Oui. Et une. Et vous? Et vous, vous n'avez rien. C'est une honte. D'accord, donc ça va être là-haut que ça se passe. Et c'est encore là-haut. Ou pas. Mais pas du tout. Et ce sont pas du tout des araignées, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce que c'est que cette infamie, mais ça ne me plaît pas. Les sentinelles Faer Gorta. C'est les zombards, ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est les... Mince, comment on appelle ça? Les drogueurs. Mais punaise, mais stop! Voilà. Mais du coup... Ah, il y a d'autres choses là-haut. Mais je crois que je m'éloigne de plus en plus de l'objectif. Bingo, on n'est plus du tout dans le même territoire. Ça n'est plus du tout la même chose. Alors, on est peut-être probablement sur une autre mission, là, je pense. Ouais, là, on est plus sur un donjon, on n'est plus du tout avec les araignées. Ah! Ok. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Memorial des balades. Ah ouais, non, mais là, on n'est plus du tout où il faut. Mmh. Ouais, non, mais... stop, on arrête les frais. Oh, mais on a là-bas des araignées, je les ai vues. Non. Non, non, on ne bouge pas du tout. Donc, je les ai vus où? J'étais complètement là-haut. Oh, à une glande près, franchement. Le jeu ne pouvait pas me faciliter la tâche et me mettre un ennemi comme ça. Non. Apparemment, non. C'était trop demandé.
Bonjour les filles, comment allez-vous? J'ai pas compris ce que t'as dit, mais bon, bref. Ouais, j'espère bien. Non. Tu es une personne, je te dois le respect. Ça s'arrête là. Voilà. Et normalement là c'est bon. Ah non, il m'a même pas donné ce que je voulais. C'est bon ? D'accord. Eh bien c'est bon. On peut enfin aller voir le médecin et lui rendre cette tâche. Et peut-être du coup aller plus se diriger vers la quête principale. Histoire d'avancer les choses. Voilà. Oh bah punaise, je m'attendais à ce que le chargement soit un peu plus long. Les dieux soient loués, vous les avez. J'avais presque épuisé mon stock, mais je vais pouvoir le reconstituer avec ça. Je vous en prie, prenez ça. Je pourrai en refaire rapidement. D'accord. Bien sûr, voici une bouteille de notre stock. Merci. Non, je suis désolée, mais il me faut plus de temps pour en concocter. D'accord. Du coup, est-ce que tu as éventuellement une potion de guérison ? Est-ce que tu as éventuellement quelque chose? Une recette? Bon, j'ai acheté une recette. Bonjour. Le nom me plaisait. Enquête. Quelle quête on pourrait faire? Découverte, rejoint Dagart à Delar. Les dents de Naros. Quelle le mort. Ah, c'est ça, la reine des araignées. On devait faire la reine des araignées. Mais par contre, oui, je suis malade, mais je ne sais pas. J'ai déjà oublié le nom de la potion, c'est terrible. Et pourquoi je dois lui parler à lui, par contre? D'accord, je ne peux pas lui parler parce qu'il fait son sport. Du coup, la reine des araignées. Ah mais oui, d'accord, c'était... Ah, au château. Voilà. C'était donc là où il fallait qu'on trouve une autre entrée. Non mais... C'était aussi clair que de l'eau de roche, mais j'ai quand même réussi à me rater. Wow. Ah d'accord. Ok. Premier donjon. Admirez le château Yolvan, chef-d'œuvre des failles d'antan. Si vous nous entendez, c'est que notre sommeil est profond. Courage éphémère. Nos pouvoirs se sont fanés, mais notre triomphe est éternel. Nous avons ramené la paix dans Tisbois et dans les forêts de l'été. D'accord. Corruption et pourriture grandissaient et se répandaient comme la peste dans ces marais et ces vallons. Elles n'étaient pas l'œuvre d'une bête, ni d'un faille déchu, mais de celle qui marche seule, la mère des araignées, reine de la soie et du poison. Cette sorcière qu'on appelle la veuve. C'est une sorcière, c'est finalement pas une araignée. D'accord. Je vais avoir un piège d'une manière tellement stupide que j'en ai presque honte. Ah non, faudrait peut-être pas que j'aille là. C'est en haut. Mais c'est pas vrai, je refais la même erreur, quoi. Je n'apprends donc jamais, visiblement. Comment... D'accord. Ok, donc c'est là où se situe la pierre.
Cependant, je suis complètement paumée. Je suis complètement perdue tellement l'architecture est magnifique. L'épaisse canopée bloquait les rayons du soleil de l'été, mais nous avons continué d'avancer. Vers Catrus, vers l'antre de la veuve. Nous étions faibles à l'arrivée, mais elle l'était bien plus. Ses filles étaient mortes avant notre marche. Nous l'avons bannie vers Echara. Puis l'hiver nous a appelés. Certains se sont assoupis. Mais j'ai monté la garde. C'est bon. Oh, qu'est-ce que j'ai vu? Les lames faillées chaleureuses. Et en armure, mais en armure, qu'est-ce que je peux mettre de plus? J'ai rien d'autre à mettre. Ah, je peux mettre ça, mais j'ai pas assez de finesse. C'est triste. Oh! Bonjour. Oh putain. J'espérais tellement qu'il ne m'ait pas vu. Même pas le temps de respirer. Déjà annihilé. Cette ambiance malsaine. Oh, oh mais non, mais... C'est un filet du diable. Ces pièges tellement fourbes. Le vent glacé de l'hiver est plus cruel. Pour l'instant, ça va, mais j'espère qu'il va me rester suffisamment de santé avant le grand boss. Ça serait juste génial si ça pouvait être le cas. L'arc long de bouleau, il vaut... Ouais, non, c'est ça. Il vaut pas grand-chose. Et je préfère garder mon jugement pour le moment le plus opportun. Est-ce que là, il y a quelque chose? Rien du tout. Ah, voilà, c'était la dernière. La veuve est en marche. Sa colère fait battre le cœur de Tissoupoa. Ces araignées sont à nos portes. Nous n'aurions jamais cru que ce jour viendrait. La veuve est en marche. Eu. Quelqu'un se serait pris dans ma toile? Moi qui croyais que la fête était finie. D'accord, donc nous avons affaire à une connaisseuse. L'ambiance est là. Est-ce que je peux pas m'équiper de quelques petits trucs là avant d'y aller? Non. Non, non plus. Non plus. Bon, bah tant pis. D'accord, c'est... Ah, c'est toi. Mais pourquoi je m'attendais à voir une araignée alors que je sais pertinemment que ce n'en est pas une? N'importe quoi. Il y a beaucoup trop de trucs à prendre à mon goût avant de parler à un personnage. Mais non, que dalle. Bon, tant pis. On va rester comme ça. Qui donc s'agite à Yolvan? Encore une misérable mortelle de ce maudit village, sans aucun doute. Je suis sûre que mes rochetons de Catrus aimeraient dévorer une créature de votre force. Tous les faées de Yolvan sont morts. Votre village est ma prochaine cible. Dites-leur que la veuve est revenue et qu'elle va reprendre son bien. Mais crève!
Oh non, mais... Non, non, non. Ah, ça m'a pas activé la scène. Ça ne m'a pas du tout activé la scène. Je suis déçue. L'effet était gâché. Mais non, mais laissez-moi tranquille. Là. Ok, donc rien n'est fini. Il faut qu'on l'empêche d'attaquer le village. Et on est obligé de refaire tout le donjon en arrière pour pouvoir sortir. Par contre, j'ai pas été voir la salle en bas. Je sais pas ce qui s'y trouve. Ma curiosité est aiguisée et je sens qu'elle va mener à ma perte. Oh non, mais j'ai pas le temps pour ces enfantillages. Mesdames et messieurs, allons. Soyons un peu plus responsables. Raisonnables. On peut régler ça à l'amiable. En tout bien, tout honneur. Y'a personne. Pitié, dites-moi qu'il y a personne dans cette salle. Que je peux la traverser sans problème. Eh bien non! C'était peine perdue. Peut-être que le marteau avec elle, ça marche mieux. Non mais laisse-moi tranquille, toi! Ah mais non, non mais... Alors, j'étais contre le mur. Quand les mouvements sont un peu lents, des fois, c'est incroyable. Pourquoi je veux prendre impérativement des armes lourdes? Alors que je sais que ça va pas m'être utile. Voilà! Ok. Heureusement que j'avais fait le plein de potions avant. Parce qu'on peut pas dire que je sois vraiment très économe à ce niveau-là. Non! Ah, oh, punaise. Mais... La flamme sérieusement endommagée. Zut, il va falloir que j'aille la faire réparer. Heureusement que j'ai encore le marteau. Ah 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 ah. Potion de purification, c'est ça que j'aurais dû lui demander. J'ai pris le sac. Oui, j'ai pris le sac. Bon, la flamme est dans un mauvais état, en espérant que le marteau tienne. D'ici là... Merde, non, c'est... Le marteau. Le marteau, Ginette. Oh là là. Non, mais... Ça suffit! Là! Vous allez vous calmer maintenant! Non mais... Ah! Merci! J'ai appuyé trois fois dessus avant que ça réponde. C'est bon, vous avez compris? Oh, aïe, aïe, mais je suis... Ouais, j'étais vraiment au seuil de la mort. Non, mais là... Oh, mais stop! Non, mais... Oh là là, mais c'est une catastrophe! Bon, tant pis, je laisse le loot, hein. Peu importe ce qu'il y a, je m'en fiche. Thank you.
Non mais... Là. Donc la sortie est par là, mais du coup là, qu'est-ce qu'il y a? Je sens que je vais le regretter. Ah, d'accord. Bon, ça c'était du pif. C'était le pif ultime. Ok, c'est que ça. Mais ça va, c'est gérable. Ils m'ont même pas noté. Si c'était que ça, j'aurais dû le faire avant. Ah mais en plus, il y avait un coffre. Échaudant. Gain de niveau en plus. C'est génial. Allez. Ok. Ensuite, en finesse. Finesse. Lance une onde de magie noire, mais ça c'est quoi? Votre grâce mortelle vous permet d'infliger des dégâts considérables lorsque vous êtes furtif. Eh, piège de givre ou lame empoisonnée. Bon allez, on va débloquer un petit peu tout ça. Et ensuite, alors, palier 2. Ah non, non. Confirmé, voilà, c'est bon. Du coup, en arme, qu'est-ce que j'ai chopé? Non, c'est une arme secondaire. Mais en fait, à chaque fois, j'ai débloqué les armes pétées, et là, je n'ai plus que les fonds de caisse. C'est aussi simple que ça. Oh mais non, mais... J'avais l'espoir que ce fût fini. Voilà. Visiblement, comme le marteau ne semble pas assez suffisant. Oula, j'avais raté ça en rentrant. Quelle honte. Du coup, bah, je suppose qu'il faut qu'on retourne au village. Exactement. C'est la mouise! Mais c'est Darren, ou Baren, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Non mais je... Ah! J'ai l'impression de jouer dans Aventure en fait. Avec les araignées géantes. Et moi qui rate tous mes coups. Accessoirement. Bien. Vous n'avez pas pris le chemin le plus court pour arriver à Château Yolvan. Alors. Mais c'était épais pourtant. Leur secret. Pouvez-vous arrêter les araignées? C'est la veuve. Je refusais de croire à ces histoires. Mais j'ai senti que c'était son œuvre depuis le début. Dans quelques heures, Canerock sera rayé de la carte. Catrus se trouve au cœur de Tisbois. Je ne serais pas surpris qu'elle ait fait son nid dans la caverne. J'espérais qu'une armée viendrait au secours de Canerock. Mais vous êtes tout ce que j'ai. J'ignore si c'est le destin ou la chance, mais le temps presse. Je vais me réfugier dans l'auberge avec les autres. Je Pourquoi dois aider les survivants. Vous me déranger? Pour qui? C'est à moi de faire tout le boulot? Attendez. C'est une blague. Bon. J'ai pas trop le choix. Faut... Ah mais non, faut que... Non. Avant, il faut que je répare ma faux. Si j'y vais comme ça, c'est la mort assurée. Alors qui peut me réparer? Non, toi tu vas pas m'aider.
Garner ou Barten, je ne sais pas lequel pourrait nous sortir de ce pétrin. Et j'ignore qu'il reste encore ici. Tout ce que je sais, c'est que je dois fermer les fenêtres, vérifier la cave et prier pour que les araignées ne trouvent pas les fissures dans les bardeaux. Ah si, c'est lui qui peut réparer. La flamme, s'il te plaît. Est-ce que je peux tout réparer, là, en somme? Ah bah, parfait. Prenez garde. Voilà. Comme ça, je suis bien équipée, je sauvegarde. Avant de faire une bêtise énorme. Voilà. J'y vais comme ça, je vais pas regarder les potions, ça va être un défi supplémentaire. En espérant qu'ils aient pas mis d'ennemis sur mon chemin. Parce que là, ça serait vraiment la mouise, j'aurais vraiment rien prévu. Je vais pas ouvrir les caisses non plus, je ne vais rien cueillir du tout. Et je crois que je ne suis pas du tout au bon endroit. Bingo! J'allais tout droit vers des ennemis dont j'ignore tous deux. Mais du coup, c'est par là. Quelle galère. Et du coup, ça doit se situer en haut. Et il y a un coffre. Il y a un coffre, normalement. Oh mon dieu! Ah mais non, 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 mais pas du tout, mais pas du tout, monsieur. Oh my god, mais c'est quoi cette horreur? Ça y est, il m'a envoyé une moustique. Oh ya ya ya. Oh, y a, mais ça fait tellement mal. Voilà. Bon, au moins, j'ai de quoi déclencher le jugement en cas de pépin. Mais je ne sais pas combien de potions, du coup, cela m'a pris. Wow. Un visiteur venu d'ailleurs. Ah oui, donc du coup, c'est vrai que la capacité de dissipation, ça me permet de trouver des trésors cachés. Et génial. Du coup, il doit y avoir quelque chose. Ici. Ah, 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 là. Super. Et normalement, tout devrait se passer ici. Quatre russes, exactement. Non. Mais, allô. Allô, le A. Allô. Ah, ça les tue quand même, mais il faut juste au moins faire un finish. Bon. Hé, hey, salut! La mortelle de Château Yolvan. Je suis contrariée de vous voir ici. L'entêtement des mortels est parfois si irritant, mais mon espèce est capable de tout supporter. Vous n'avez pas cette qualité. Le gros de ma horde est là, et j'ai hâte que vous l'affrontiez. Mais je ne dépends pas de mes araignées, et je suis raisonnable. Je vois la brutalité qui est en vous. Je vous offre l'amnistie en échange des vies de Canéroc. Oui, oh, voilà. J'ai cru un instant que vous aviez un certain potentiel. Tant pis. Je manque de compassion. Ah, le GPS laisse à désirer. Là. Vous finirez donc par nourrir mes araignées. Elles vivantes, personne ne m'approchera. Ces murs obéissent à mes ordres. Tiens, s'il te plaît. La vie de ces araignées m'appartient. Votre chemin sera jonché de racines et de crocs. Bon, d'accord. Bah, je t'ai demandé si en fait je pouvais avoir de l'eau. Ah bon, tu te démerdes. Mais quelle vie! Quelle intimité.
Quelle indignité. Merci. Donc, ceci n'est pas une porte ordinaire, impossible de l'ouvrir avec une clé ou un crochet. Ah. Ah, donc on ne choisit pas la solution de facilité, on est obligé de se taper les ennemis, exactement. Mais barrez-vous. Je devrais peut-être... ça serait mieux en fait. Peut-être. Voilà, un bloc venin mineur. Peut-être que ça va aider. C'est pas sûr. Mais rien ne vaut plus le coup que d'essayer. Qui ne tente rien n'a rien. Visiblement, je tente tout et je me foire. C'est un magnifique spectacle que voilà. Je ne sais pas où donner de la tête. Punaise, même les araignées d'Harry Potter étaient bien plus arrangeantes que ça. Et du coup, je peux me barrer. Super. Là, il y a quoi? Ah, j'allais me dire qu'il n'y a rien. Mais si, bien sûr. Oh non, j'ai pas du tout compris la dernière fois. Appuyez sur A quand le curseur se retrouve au-dessus d'un glyphe noir pour faire exploser la protection. On n'a pas réussi à dissiper la... Mais vous êtes fait maudire. Ah, génial. Je suis joie. Oh merde. Reste enterré, s'il te plaît, la caméra, bon sang, c'est pas possible. C'est juste pas possible une caméra pareille. Ça ne devrait plus exister des trucs pareils. Non mais TG! Oh là là. Je suis gênée. Je ne peux rien faire. Et il me cancel à chaque fois, quoi. Oh là là. J'ai plus de magie, génial. Je ne pouvais absolument pas me défendre en cas de pépin. Et ah non, oui, j'ai plus de mana. J'ai plus de mana. Mais quelle tristesse de Chopin. Oui, non, mais la mana, je crois que c'était... Voilà, c'est à droite, c'est ça. Donc, je suis maudite. Génial. C'est tout ce dont je n'avais absolument pas besoin. Capuche, il y a une capuche, il y a une capuche, il y a une capuche. Il y a une capuche, mais les capuches, mais c'est naze. Oh, capuche de l'aspic. Ah, il faut que j'ai 7 de puissance. Oh non. Oh non. C'était ma chance. Et elle n'a jamais eu lieu. Mais où dois-je aller? Je ne sais pas où je vais. Peut-être là pour découvrir un secret déjà. Pitié, pas un autre coffre à la mort, moelle-neuse, s'il vous plaît. Ok, bon, ça va. Je sais pas trop où j'en suis rendu dans mon XP, mais j'espère que à la fin du donjon, je pourrai peut-être monter encore d'un niveau pour enfin pouvoir augmenter la puissance et porter ce fameux Omaspic. L'inventaire de votre personnage est plein. Ah bah tant pis, c'est pas grave si c'est qu'une capuche. Mais du coup, je peux peut-être te transporter des shoes dans le bric-à-brac. Bric-à-brac, bric-à-brac, hop. Allez, tout ça au bric-à-brac. J'avais pas vu ces trucs là. Mal. Eh, il me compte toujours 60. Mais non, mais comment ça se fait? Bon, c'est peut-être juste le temps qu'ils se mettent à jour. Mais ça, ça ne m'arrange pas.
Oh non, mais c'est terrible. C'est juste terrible. En fait, il me faudrait une arme à distance. Wow. Non! Mais à chaque fois que je vais esquiver, ils arrivent toujours à me cancel. Ça, ça me saoule. C'est saoulant. Oh, oh, j'ai failli faire une grosse faute. Oh yeah! Je suis toute puissante désormais. Rien ne peut m'arrêter. Mais dans le au cas où, gardons le jugement pour la veuve. Ça sera beaucoup plus simple de faire comme ça. Merci. Oh, mais non, mais zut, mais flûte, mais voilà, tout ce que vous voulez. Mais pourquoi? Pourquoi je peux pas mettre dans le bric-à-brac? Bon, et puis, ouf, tant pis. J'en ai plus rien à faire. Mais de toute façon, mais oui, mais pourquoi je voudrais prendre ça? Puisque je n'ai plus de place. Je n'ai pas pensé à vendre mon loot avant de faire quoi que ce soit. Bon, au moins comme ça, ça permettra d'avancer ne serait-ce qu'un tout petit peu plus vite. Oh, mais non! Aïe, aïe, aïe! Ah oui, et puis alors là, c'est les trois grosses, là. C'est les trois gorgones. Oh non, je suis dans le mur, je suis pas du tout au bon endroit. C'est mieux quand on touche sa cible, n'est-ce pas? Yes, toi je t'achève. Voilà. Mais non, mais... Allez! Mais meurs! Oh la vache! Allez! On speedrun le donjon maintenant. C'est fini. On n'a plus rien à perdre. Ah non, mince, je voulais pas. Non, 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 je voulais pas. Je ne veux pas activer le mode jugement. Je le garde pour plus tard. Oui, oui, je sais. C'est ce que j'ai fait. Il est long, ce donjon. Ah! Vous revenez une fois encore. Eh oui. Je ne peux que m'émerveiller devant votre ténacité. Ce n'est pas comme les Faës que j'ai massacrés au château Yolvan. Venez, mesurons-nous l'un à l'autre. Je ne crains pas la mort. Je renaîtrai un jour le moment venu, contrairement à vous. Ne parle pas sans savoir, s'il te plaît. Espèce de lâche! Oh, elle fait mal! Elle a cancel mon jugement! Et pourquoi, en fait, elle a pas de barre? Ah oui, son si. Oh là là, j'ai failli faire une grosse erreur. Oh, cette violence. Yeah. Ah d'accord. Ok, donc j'ai eu la veuve, mais pas les araignées. Et j'ai plus de potions, c'est génial. C'est absolument... magnifique! Mais je vais me casser. Je ne vais pas chercher. Je me casse. Voilà. Et je retourne à Canerock. J'en ai rien à foutre. Je me barre. J'ai utilisé toutes les potions. J'avais dit que je n'en rachetais pas avant le donjon. Et j'ai utilisé les 16. C'est terrible. La lâcheté, vous voyez? Voilà, Canerock.
J'ai utilisé l'escroquerie hier avec Khazar 3, là, ce soir, j'utilise la lâcheté. Sans aucune forme de honte quelconque. Alors, j'espère que ma récompense va quand même être à la hauteur, à la fois de ma réputation, mais également de tout ce que j'ai pu faire. Oui, il y a un problème ? Mais what ? Oh non ! Vous avez réussi. Nous vous devons la vie et notre gagne-pain. Sans vous, les araignées nous auraient dévorés et la veuve danserait sur nos restes. Tout l'or du monde ne suffirait pas à vous exprimer notre gratitude. Mais je peux vous donner ceci. Prenez, avec nos remerciements. Qu'est-ce qui m'a filé ? Portez-vous bien. C'est pourquoi ? Non mais attendez. Où est le forgeron, là ? Que désirez-vous encore ? Oui, j'ai un peu de temps à vous accorder. Merci, mais toi, je m'en fous de ton existence, en fait. C'est lui que je veux. Non, pas lui. L'autre. Où est-elle ? Oh, non, un chien. Mais elle est où, la marchande ? Bon, on va dormir un peu. Et du coup, il pouvait me donner quoi ? Parce que mon inventaire était plein. Je ne pouvais plus prendre quoi que ce soit. Au secours. Mon loot, s'il vous plaît. Ah, il est resté au sol. Il y a des poutres à couper, du chaume à ramasser et de l'encre. Désolée, étrangère. Je vais apparemment devoir reconstruire ce village. Je dois organiser les prochains mois de travail. Oui, non, mais ok, ça, je m'en fous, mais... Où est la marchande ? J'ai survécu, je n'en reviens pas. Non, bon mais voyage. Toi, ok, je m'en fous de ton existence aussi. Oh, un barde ! Et où est-ce qu'elle est, l'autre écervelée ? Elle est là ! Oh ! Vous m'avez fait... Je m'excuse d'avoir été un peu hystérique avec vous. Ces monstres m'ont pris mon mari avant votre arrivée. Et je craignais de perdre aussi mon fils. Mais vous nous avez sauvés, Billy, c'est moi. Je vous en remercie, et j'aimerais tant pouvoir vous dédommager. Je vous donnerai tout ce que je pourrai. Oh non, mais garde, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, là, j'ai énormément de trucs à vendre. Tout ça, ça ne me sert à rien. Ces deux-là, je garde. Ah. Ok. Et bah c'est tout. Méfiez-vous de la forêt. Visiblement tu ne changeras pas. Donc mon loot désormais. Ah non non mais tais-toi. Je m'excuse mais vous nous avez sauvés. Tout ça parce que j'ai appuyé sur A pour aller plus vite. Comment ça ? Ah, fil de canéroc. Ok. Ça marche. Ça marche, ça marche. Bon. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Ah, du coup, la forêt est déjà... Oui, un peu mieux, là. Ah oui, là, c'est mieux. Ah, j'avais oublié ça. En plus des potions régénérantes, ben voyons. Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre comme quête ? J'en ai accompli déjà pas mal, non ? Ouais. Eh ben, on va se rendre à Delar. Delar qui se trouve, je ne sais plus où. Qui est là? D'accord, donc on va se TP ici. Tout simplement. Et on va aller du coup vers notre objectif. Qui se trouve loin. Oh là. J'ai failli faire une bêtise. Ok, ça va maintenant les coffres, on maîtrise. Bon, les quêtes, ça, je le ferai plus tard. Je veux juste finir sur la quête principale. Oh, apparemment, il y a quelque chose de caché. Non, ça doit pas être là, ça doit être sur Terre. Ah oui, c'est là. Épée longue de saignée. Non, visiblement, ça ne va pas aller. D'accord, j'ai cru que là-bas, ça c'était un ennemi, mais en fait, non. Oh, il y a des belles choses là-bas. Il y
y a des belles choses. Blop. Super. Et le coffre. Génial. Il y a un hôtel là-haut, je crois. Donc on va essayer de se faire bénir par les dieux. Peut-être que cela cancellera la malédiction. Je ne pense pas. Personnellement. D'accord. Je ne sais pas ce que ça a fait. Mince. C'était par là. Ah non, mais la direction. Hein. La direction, mes amis, c'est une catastrophe. Je n'arrive pas à me repérer sur cette carte. Pourtant, j'ai pas un si mauvais sens de l'orientation que ça. Non, si, c'est vrai. Non, je te juge avec mon regard très probateur. Et pourtant, je me suis bien débrouillée quand j'ai testé GeoGuessr. En même temps, j'avais aucun mérite. Je suis tombée à côté de chez nous, donc... Voilà, on va dire que c'était la facilité, quoi. Qu'est-ce que tu fais, petite tempête? Je t'entends gratter. Il bouffe les fils, mais ça, ça va pas faire notre affaire. Ah, il jouait, d'accord. S'il ne fait que jouer du moment qu'il ne me débranche rien, moi je suis d'accord. Parce qu'il m'a quand même fait bugger le stream je sais plus quand là, en marchant allègrement sur la touche, enfin sur les touches numérotées. Qu'est-ce que cela? Ouah! Non. Ah mais en fait, je crois que c'est ça ma malédiction. Ça y est, j'ai trouvé. Je me fais pomper toute la mana. Je crois que c'est ça. Mais sérieusement, je suis censée le retrouver où? Ah bah là! Donc c'est bon. Mais... Par où je passe? Je pense qu'il faut que je fasse tout le tour. Ah, bon déjà. Avant tout, vous n'avez plus d'avenir. Ah mais ouais, donc ouais. Nous sommes au bon endroit. Il est dans le coin. Je le sens. Voilà. C'est ça, faut que je fasse tout le tour. Pour pouvoir le rejoindre. Ok. Trop tard pour fuir. Ah mais non, faut que j'aille sur le campement. Oh là là, mais c'est une catastrophe. Au secours. Oh qu'il est beau. Oh qu'il est mignon. Oui, c'est ça, ne le touche surtout pas. Le marteau est efficace. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et il donne quoi comme loot? De l'or. Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? Ce cadavre porte des ordres de mission émis par Broga. Ah, du coup, c'est comme ça qu'on va pouvoir retourner au donjon. Si bref son temps au sein de la cour, et si pleine d'ardeur sa vie. L'incarnation même de la ferveur, le glorieux sauveur de la princesse Luna, roi de la vie, prince de la passion. Très beau conte. Oh mais à chaque fois j'arrive pas à revenir en arrière sans casser mes crochets. Besoin d'un coup de main peut-être. Oh là non, il est tombé. Je vais pas voir le loot. Ah non mais j'ai... Non, blablabla. Voilà. C'est bien que vous soyez là.
Je commençais à croire que j'avais vraiment trop bu. Bienvenue dans les ruines de Delar. Que faisons-nous pour ici? Pour une raison que j'ignore, vous pouvez changer le destin. Ici, je peux obtenir un aperçu de tout le tissage et voir quelle sera votre place. Ah, putain, je me fais attaquer par un chat, au secours! Oh. Oui, on ne dirait pas, mais ces ruines abritent le théâtre du destin. C'est la première fois qu'il abandonne, à chaque fois qu'il essaye de me grimper Suivez-moi. Sur la jambe. Qui sait ce que nous allons y découvrir? D'accord. Ok. Reniez votre destinée pour réinitialiser tout... Ah non, je veux pas de ça, non. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ce sont les ruines du théâtre du destin. C'est ici que les premiers tisseurs du destin ont appris à interpréter le tissage. Ils ont laissé leur sagesse dans la pierre de la destinée. J'espère que la pierre lèvera le voile sur le mystère qui vous entoure. Allons-y. Espérons. Bon, tu permets, d'abord, voilà, je prends tout ça. Par contre, j'aimerais bien qu'on m'enlève cette malédiction. Silence. Nous ne sommes pas en sécurité ici. Ok. Je me précipite pas. Je te suis. Doucement. Peut-être allons-nous avoir des réponses? Et non, c'est un donjon. Eh ben, je vais sauvegarder ici. Voilà. Donc pour YouTube, on se retrouvera une prochaine fois. Eh bien, pour savoir si on a une réelle place sur la toile du destin. Et peut-être aurons-nous enfin une première réponse.